Mais t'as vu, moi je tire mon gars, ça me met directement sur le truc. Stylé la cathédrale. Ouais, à rendre dans le trou. Ah ouais? Oh. Ah ouais? Ça les gros pervers. Il est vraiment vraiment très joli. Je sais pas ce que t'en penses pour un jeu comme ça. Pour un jeu comme ça de plateforme, ouais. Franchement, ouais. Même mon frère, tout à l'heure, quand il est rentré, il a fait putain, il est beau pour un jeu comme ça. Moi, je casse les objets, c'est un peu de l'XP. Putain, mais t'as vu, t'as retiré le son, il est tombé sur ma tête, t'as toujours mis le son. Oula, fais gaffe, y'a un gros, y'a un gros, y'a un gros. Ah, il faut vraiment avoir du skill au bout d'un moment parce qu'on peut monter bien entendu le level, on peut monter ce que je veux dire par le level. Ah, il y a des bleus, il y a des bleus, il y a des bleus. Je leur nique leur race, moi. Ouais, mais moi il m'a démonté. Et moi, il me touche absolument. Ouais, c'est parce que toi t'as un tank aussi, mec. Regarde mon arme, mon gars. T'as vu? Ouais, c'est cheaté, t'as vu? Elle faisait tout de baiser. Ah, comme je disais, on peut monter le level. Putain, il y a du monstre ici là, sa mère. Ah oui, j'aime ça. Moi je récupère tout, je récupère les gants et tout, bordel. Moi aussi je suis un gros raclou là, dans ma tête je me dis je vais tout revendre. Non mais après t'inquiète pas, t'auras les armes beaucoup plus puissantes. Désolé Mais c'est quoi Pascal tu veux? mec, je suis en vidéo. Putain, y'a un gros tas Un de merde. gros. Attends. Tiens, c'est qui le plus gros ici? Recule, recule. Nouveau record coup puissant. 9 coups puissants. Ah, t'as vu? Bon, y'a rien en bas. Massacre 11 000 tués. Bon. Ah, c'est vraiment que des trucs comme ça. C'est vraiment vous avancez, vous shootez, vous avancez, vous shootez. C'est comme ça et ça changera pas. C'est ça, ça va changer de Borderlands 2 quand on le fera. Même si quasi tous les jeux d'aujourd'hui c'est le même principe. Tiens, y'a un bouclier ici si tu veux, mec. Ouh, GG. Même pas fait exprès, bon. Tiens, y'a un bouclier ici si tu veux. C'est des gants. Où ça y est, un bouclier? Bah, par terre, tu. Ah, ouais, non, mais je sais pas si tu peux le voir. J'ai une tunique en étoffe. Attends, je vais te la donner. Je vais te donner. J'en ai deux, tiens. Tu peux les mettre? Ouais, bah oui, tu peux les prendre. Alors, est-ce qu'elle me donne plus de stats? Non, c'est exactement les mêmes. Alors, j'avance, mec. Moi, je suis bientôt au niveau 5, en fait. Moi, je suis à la moitié de mon niveau 4. Mais toi, t'avances plus que moi, non? Ouais, non, c'est parce que j'ai le. Le casque? Ouais, j'ai un masque. Je sais pas quoi, c'est chelou. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Tiens, un livre ici. On peut péter tous les accessoires, les bibliothèques, les bornes comme ça. On appuie sur A, on peut gagner des sous. J'ai même récupéré une arme légendaire une fois. Mais bon, c'est vraiment chiant de tout faire. Regardez, hop, là je récupère des sous. On peut péter tous les vases qui nous donnent. Si on fait un certain nombre de vases pétés, ça nous donne un peu d'XP. J'avoue que la map elle est quand même destructible, pas mal. Hein. Ouais, il y a aussi des ports qu'on peut défoncer pour étourdir les ennemis ou autre chose. Oh là, il y a du monstre. Il y a un gros là. Je peux même marcher sur des insectes. Hey, fait mal ta hache, hein. T'as vu comment il est niqué le barbare, mon gars? Il a overcheaté le bordel là. T'as pas d'armure, t'as rien, mec? Non. Attends, j'en ai une, tiens. Invisible. Attends, armure, c'est dans quoi armure? T'as des gants? Je crois, ouais. Regardez comme celle-là là, elle me donne une meilleure celle-là me donne une meilleure armure. Le souci c'est que j'ai plus 3% de découverte d'objets magiques sur l'autre. Donc c'est pas négligeable en sachant que plus vous avez des gros items et plus vous faites mal. Il y a un gros qui vient vers toi. Je l'ai niqué. J'aime pas ça les serpents. Level 5. Ouh là, il y a du monde. Ah, je crois que je peux tirer trois flèches en même temps.
Je l'ai mis trop cher au bordel. Oh, j'ai mon joystick qui bug, désolé. Vous tenez votre position et tirez une volée de flèches sans interruption. Ça, c'est pas mal. Ouh. Style, mon gars, tu fais ça en vrai. D'accord, en vrai, lui, alors lui. Nous avons la carte hein, qu'on peut zoomer, dézoomer. Avec le joystick droit, Romain. Il y a un Non. mec, attends, attends, je vais voir C'est le comment elle fait joystick du mal. bas. Non? Ouh, elle fait trop mal. Il y a un coffre ici, hein, si tu veux, mec. Je vois ça. Ah, c'était bien par là qu'il fallait passer. Hein. Moi j'avance, mec. Hein. Ouais, moi j'étais parti chercher des pièces, j'y arrive. Oula, ça pique un petit peu. Dommage qu'il n'y ait pas des touches genre pour rater à côté de toi direct, tu vois. Ouais. On a trouvé la porte. Ah, des Là, chaussures, je vais gagner un des bonus chats. d'XP, vous allez voir. Normalement. Non, même pas. C'est un certain nombre d'objets pétés, on peut gagner un bonus d'XP. Vas-y. Il fait homme. Voilà. On va laisser. On Immonde se tait. vermine, n'approchez pas! Arrière! Pourvu que ça tienne. Le roi squelette? Le pouvoir de l'étoile m'a éveillé. Bientôt tous souffriront comme j'ai souffert. Garde! Rapportez-moi ces ossements! Donc on a vu le roi squelette et l'oncle là qui... le grand-père là qui se faisait des montres. Bah là quoi, y a pas d'autre mot mec. Le mec il perd sa race là pour qu'on aille le sauver. Fais gaffe par contre là y a un gros je crois après. Ouais il est là. Où ça? On l'a démonté. Eh il y a une massue. Tiens. Par terre. Une massue bleue comment? Si t'as un arc ou une arbalète je veux bien mec. Hein. Attends, je vois ça. Il me Non. faudra un pantalon, des épaulettes et merde comment on appelle ça les trucs en haut là. Oh, je me rappelle plus ce que c'est, bon bref. On va parler à l'autre là. Tu peux pas mettre deux, une Daxam dans une main et une Daxam dans l'autre, non? Si tu peux. Alors c'est parce que Léa nous a demandé de te sauver, connard. Ouais, mais par contre t'auras pas de défense, hein. Bah si t'auras, mais bon c'est pas exceptionnel quoi. Bah, Vas-y passe par la petite porte à faut que je gauche là. mette un bouclier. Ouais le mieux ouais c'est avec un bouclier mec. Ouais. Retourne directement Oui. en centre-ville avec le pad de droite. Je sais pas si tu peux. Non, je peux pas. Bah tu vas à la porte à la bibliothèque et ensuite tu vas en plein mille. Attends, chut. J'avais promis à Léa de sauver son oncle des cartes Kane. Et je l'ai fait. Quand je l'ai trouvé, il essayait d'échapper au roi squelette. C'est ce monstre qui me barre le chemin de l'étoile. Comme vous l'avez compris, c'est le roi squelette qui nous bloque un peu le passage pour passer pour continuer tout simplement. Donc à ton avis, qu'est-ce qu'on va devoir faire là mec pour passer? Je sais pas, mais moi en tout cas je suis du père. T'as une porte de bibliothèque, t'es toujours dans la pièce où... Non. Non? Et bah normalement c'est sur la mini-carte, c'est un sort de truc de téléporteur comme on... Je suis l'opposé de toi, regarde. Regarde sur ta carte, tu vas me voir. Ok, reviens en arrière. Là où t'étais? T'as un téléporteur. À droite. Devant le truc. Là? Voilà, tu vas dessus, t'appuies sur A et tu vas sur Nouvelle Tristan. Tristan. J'ai un arc pour toi, au fait. Ouais, vas-y, bah file. C'est un arc court, apparemment, je sais pas trop quoi. Ouais, parce que moi je vais relever, je le mets de côté, je sais pas. Alors il faut savoir que en multijoueur on n'a pas de mode coop. Ce que je veux dire mode coop, c'est que en solo, on a des alliés
On a un templier, on a un brigand et une enchanteresse, si je me rappelle bien, pour vous aider dans vos quêtes. Donc vous pouvez le faire soit en solo, soit en coop avec eux. Et dans le multi, par contre, on les a pas. Ouais, il est bidon, mais c'est pas grave, ça se vend, ça. Tiens, j'ai un bouclier, peut-être que tu vas le kiffer, par terre. Oh, je le prends pas, il me sert à rien. Ah mais il est passé level pour moi, parce que moi j'ai le 10 et tu m'as passé le 9. Par contre, la dague simple, ma dague simple en fait elle est plus puissante, mais elle a juste 2 points, genre elle fait plus mal, j'ai l'impression. Ouais, bah écoute, tant mieux quoi. Je suis où? T'as encore appuyé sur A. Ah, pour Ah. quitter? Putain, tu fais chier. Tu fais chier, tu fais chier. Moi, ça m'affiche pas les conversations. Bah ouais, mais dans ce cas-là, tu viens à côté. Et puis tu fais ça à côté, comme ça tu vois un peu. Si je bouge pas, ça veut dire tout simplement que je suis en train de faire une conversation, mais que là, regarde, là, je vais en refaire une. Perdu ses deux fils et jusqu'à son âme avant d'être enfin vaincu. Et maintenant, il semblerait qu'il soit ressorti du tombeau pour tourmenter ce pays encore une fois. C'est une histoire tragique, mais je ne pourrais pas atteindre l'étoile sans l'affronter. La clé de sa défaite est dans son ancienne couronne. Allez trouver Edrig, notre forgeron. Il sait ce qu'elle est devenue. Alors là, nous devons tout simplement, nous devons trouver le forgeron, car lui sait où se trouve la couronne, car c'est la clé pour ouvrir la porte pour machiner avec l'autre connard. Qu'est-ce que tu fais là, Romain? Bah là, je voulais améliorer mes trucs, attends. Parce que je cherche quelque chose en fait. Non, c'est pas ça. Est-ce que t'as des bottes bleues par hasard? Je dois avoir ça en stock, attends. Des Ouais, bottes. j'en ai, mais je les ai sur moi. Ah non, Ok. y en a que j'ai pas sur moi, attends. Vas-y, Tiens. bloc. Il me faut des bottes bleues. Un bas bleu si tu peux. Et Un bas, j'ai aucun bas. une écharpe bleue, t'as pas? J'ai une écharpe blanche 6. Oh merde. 8. Merci. Plus 4% de vitesse de déplacement, ça c'est bon pour moi. Même si je vais la rejeter parce que comment dire, et à plus 3 armures sur l'autre. Donc tiens, je te la rends. Non mais ça, vas-y, prends-les. Prends-les, tu pourras les vendre. Vas-y, viens. C'est bon, tu t'as vendu tes trucs ou quoi, non? Non. Je te rejoins au pire. Ouais, bah tu manges là. Donc nous, on avance. Alors là, on va devoir trouver le forgeron. Et il va nous demander un truc parce que sa cave est remplie de zombies. Le souci, c'est qu'il y a sa femme dedans. Donc là, on lui informe comme quoi on veut retrouver la couronne, je sais pas quoi, bon bref, la couronne du roi squelette. Et là, il nous demande en fait parce qu'il a pas le courage de tuer sa femme parce qu'elle se transforme en zombie. Donc on va devoir bah, la buter pour lui en fait, tout simplement. Même s'il va taper dessus comme un connard et ensuite il va lui remercier. Donc c'est bon, qu'on Putain, passe. arrête de spoiler là. Putain, mais elle est trop stylée cette attaque là. Il faut grave un bouclier 10. Enfin, Ouais, bleu. mais t'inquiète pas, on en retrouvera après. Donc là, elle lui demande de sauver, mais c'est trop tard. Hein. Quand on est infecté par un zombie, c'est mort quoi. Ouh, je le fais trop mal, mon gars. Voilà, une arbalète bleue, nickel, un petit sabre. L'arbalète bleue qui est beaucoup plus puissante que la mienne. Par contre, qui met un peu plus de temps pour l'attaque par seconde. Un peu dommage, mais bon. Là, C'est bon, comment je il me suis acheté un s'appelle? bouclier. Voilà, si ça. Hop. Voilà, normalement t'as dû gagner de l'XP. Ok, terminé. Je te rejoins là. Je me Là, suis acheté un bouclier ouais, vite, là, on bleu. voit bien que l'arme est plus puissante, on la sent.
Le souci, c'est que elle va un peu moins vite. Mais bon, c'est pas trop grave. J'ai gagné un sabre, si tu veux. Un sabre comment ? Blanc. Tiens, je te le donne. Alors, il faut qu'on soit équivalent quand même, Romain et moi, par rapport à notre stuff, tout simplement, parce que s'il a un mauvais stuff, moi je suis dans la merde, parce que lui c'est un mec de corps à corps. Et si moi j'ai un mauvais stuff, il est aussi dans la merde, parce que s'il y a trop de monde sur lui, je pourrais pas l'aider. Bah vas-y, bon, on avance, mec. On avance, on est bien parti. Ça fait déjà 37 minutes, hein, comme vous le remarquez, on est au deuxième épisode, bientôt, la fin du deuxième épisode. Hop. Alors, une vidéo par jour, comme je le répète encore une fois. T'es où, mec? Je te vois plus. Mais si, je suis pas loin de toi, là. Tu me vois pas? J'arrive. Il me faut alors... plus de haine. Ah, il faut vraiment que je remplisse mon truc de haine. Y'a des QGS. Oh, c'est des QGS. Là, je... Ouais, level suivant. Donc là, je peux améliorer ma compétence. Donc augmente les chances de transpercer de la flèche. Bon, c'est pas très français ce qu'ils ont dit, mais c'est pas trop grave. Donc là, ça, voilà, j'ai une plus grande chance de percer l'ennemi, entre guillemets, je pense. Ouais. Donc en fait, elle revient sur lui, c'est trop stylé, je trouve. Ah tiens, regarde, il y a une épée courte là. Attends, je vais te la donner après. Elle est en bleu. Ah ouais, ouais. D'ailleurs, je l'ai vu. Mais elle est que 7 par rapport à ma dague simple, je crois. Attends, je vais aller voir. Elle a 6-3 de dégâts. Ouais, 6-3, je suis à 9-8, moi. Attends, je vais te dire ses compétences. Plus 1 de points de dégâts de food. Et plus 2 points d'expérience par victime. Ouais, c'est pas trop... Voilà. Ouais, c'est pas trop... Regarde. Où besoin d'aide, mec? T'es où? Attends, moi, je suis en train de buter du Q-Jet, là. Oh, il y a du gros. Ah, j'en ai déjà niqué un. Un javelot. C'est pour moi ça, non? Une masse. Pour moi, c'est le javelot. Attends, il y a un truc en haut. Ah, bah ça. Alors, j'ai récupéré quoi? J'ai récupéré une masse ici, c'est bon, c'est. Ah, un bouclier si tu veux. Tiens, ah, je te mets par terre. Il est comment? Il est bleu. 9. 9? Ouais, 9 de dégâts. Bah, 9 d'armure, je veux dire. Oh, d'armure, il est mieux que le mien. C'était un arbalète, mec, je suis OP, moi. Ouais, non. Enfin, si je te la masse à l'arbalète que je l'avais, je t'ai dépassé. Oh, ça fait trop mal mon arbalète, mec. Alors, qu'est-ce qu'on devait faire déjà? Bah, tu peux voir les quêtes, hein. Trouver le cimetière désolé dans le Val Plaintif au nord-ouest de la Nouvelle Tristan. On y est. Lol. Ah, des cul-de-jet. Aussi, il faut savoir que là, c'est assez simple, en fait, limite, on s'ennuie, tu vois. Et qu'après, ça va être super dur. Ouais, c'est... j'ai trouvé un bouclier, mais bon, il est blanc. Alors moi, je peux les vraiment les tuer de loin, c'est kiffant, quoi. Ouais, j'adore ces classes-là. Tu me défonces, là, par contre, parce que je suis en train de pas XP, et toi, t'es en train de m'enculer. Guérison. Alors, c'est pas vous. Ah bah, on a la flèche jaune, donc on va aller. Par contre, je cours super vite. Ah ouais, non, c'est parce qu'on a le bonus. T'as déjà tes abonnés, ce que c'est que le puits de guérison, peut-être ça. Ah, le puits de guérison, oui, c'est tout simplement ce qu'il a pris Romain pour augmenter un peu sa vie. Là, je crois qu'il y a peut-être un boss. C'est des petits puits rouges de sang. Ah, il m'a fait trop mal, mon truc. Alors là, ce qu'on vient de voir là, les petits éclairs jaunes, c'est ça s'appelle un buff de un buff, en fait ça nous donne 25% de chance d'avoir une arme magique, donc c'est pas négligeable. On peut en cumuler jusqu'à 3, donc 75% de chance. Là, on vient de le perdre d'ailleurs. Donc là, il y a 3 portes. Donc ah, voilà un puits, ce que c'est, un puits de guérison. Ouais. Alors là, si j'appuie sur A, ça remonte entièrement ma vie. Je vais pas le faire, tout simplement, parce que j'ai déjà ma vie à fond. Là, on a, donc, merde. Là, on a trois entrées sur la carte. Donc, il y en a une des trois qui est bonne.
Hop. Moi j'ai rentré dans celle-là. Tu peux rentrer dans une autre, mec, hein, si tu veux. Celui-là qui trouve la bonne, il l'a dit. Par contre, moi j'ai un boss. Hein. Faut aller dans quoi, cimetière des oubliés? Ouais, ouais, dans le truc. Ça, mes nouvelles Tristan. Attends, je vais venir avec toi au pire. J'ai trouvé des gants et tout, mec. Une épée de merde. Des gants un peu plus puissantes, mais bon. Plus 2 points de vie par seconde. Ça, c'est pas mal. Parce que vu que je suis en combat en distance, et même pour toi... Ah bah tiens, je peux même te le filer, mec. Tiens, mec, vu que toi, t'es en combat de corps à corps, cadeau. Mets-le, si t'as un mieux, tu me le dis, tu me le redonnes. Mais... Attends, je te regarde ça, c'est une tunique? Ouais, c'est le torse, quoi. Bah j'ai exactement le même. Si je te redonne. Ah mais regarde les compétences, si c'est un plus 2 par seconde de vie. Ramassage d'or et de globes de vie augmenté de 2 mètres. Ouais bah non, prends celle que je t'ai donnée. En fait si tu veux ça va te monter ta vie 2 par seconde tout simplement. Donc tu vas guérir tout en combattant. Les brassards. Vu que t'as un tank, moi j'en ai pas besoin donc le système du tank c'est vraiment d'avoir un boost de vie par seconde. Ouais. Comme ça moi tu peux taper autant que tu veux. Sans pouvoir crever. Si au bout d'un moment c'est sûr que tu vas crever mais ouais. Si tu au moins tu auras plus de chances d'assurer le truc tu vois. Ouais, ah voilà. C'est plus facile que le sorcier. Je me suis rappelé du truc, alors c'est un buff de Nephalem, le bonus que je vous disais. Comme je disais ça augmente les chances d'avoir des objets magiques. Très important. Alors 25% d'attaque. Nickel, c'est ce qu'il fallait. Ouais. Alors ça c'est bien. Un puits de guérison mec ici. Ah ouais ça va, moi j'ai toute ma vie. Donc. Alors j'espère que vous kiffez quand même. Le gameplay. Ouais le gameplay. Même si là pour l'instant c'est un peu bidon, vous allez voir par la suite c'est beaucoup plus hardcore là, il faudra un peu plus de skill. Romain, avec le nombre de fois que tu t'es fait péter. Ouais, c'est bon, tu pourrais vite te rappeler aussi. Non, mais là, avec le barbare, je gère plus, quoi. Oh, mais c'est normal, c'est plus simple. Mais, bah, c'est l'un des plus simples. Mais de toute façon, je t'avais prévenu, mec. Au moins, si je suis en difficulté, je sais que tu peux revenir, tu vois. Vas-y, viens. Pas de couronne en vue. Bon, là, tu vois tout au bout, il y a un truc. Donc, ça, c'est un téléporteur pour nous ramener au cimetière. C'est...